Donc bonjour à tous, bonjour à tous les élèves, même si on s'est déjà vu. Bonjour à tous ceux qui sont aussi sur YouTube. Nous sommes maintenant dans notre 28e Demo Day. Donc il y aura trois projets qui vont être présentés aujourd'hui. Mais avant tout, je vais vous faire une petite présentation de JEDA pour comprendre un petit peu qui est-ce qu'on est. Donc comme vous voyez sur la slide, donc on est toujours au 28e Demo Day, c'est sûr. Nous sommes du coup un organisme de formation avec plusieurs cursus, donc un principalement dans la data, le second est dans la cyber. Chacun est décomposé après en plusieurs formations. Ici, nous sommes dans un démo day, pardon, de full stack, donc c'est-à-dire que les élèves ont passé 12 semaines à apprendre tout ce qui est dans la data, donc en passant dans un premier temps par Python, ensuite tout ce qui est IDE, et ensuite toutes les notions de machine learning, donc supervisé, non supervisé, deep learning, jusqu'au déploiement, afin justement d'avoir un peu une mise en production de tout ce travail. Ça, c'est plutôt cool. Pour la cyber, nous avons actuellement des essentials et nous allons décliner ça bientôt en full stack, mais ça, vous serez au courant. Donc, si vous voulez des informations, vous pouvez contacter les admissions. Vous aurez le lien dans le YouTube, dans le petit YouTube chat. Pour rappel également, nous avons donc notre plateforme Julie. Donc, c'est là-dessus que tous nos cours se déroulent. Et également, nous avons formé plus de 1300 alumni. Si vous voulez plus de détails, vraiment, contactez les admissions. Aujourd'hui, on va se focaliser sur nos élèves, notre 28e Demo Day. Pour rappel, ils ont eu que 2 semaines pour préparer les projets, donc du coup, ça, c'est quand même assez fabuleux. Donc, je tiens déjà à vous féliciter dans un premier temps. Donc, bravo à vous. Même si nous, on n'a pas encore vu non plus le résultat, mais je suis persuadé que ça va être top. Également, je souhaitais un peu remercier, même beaucoup, le corps enseignant. Notamment Alexis Comte qui a beaucoup enseigné, et également Selim qui a supervisé un petit peu ce projet. Ces 10 jours de préparation projet. Je sais qu'il y a eu pas mal de, il y a pas eu, il y a eu pas mal de rebondissements. De toute façon, Selim va prendre la parole juste après. Mais en tout cas, merci à vous pour cet enseignement. Merci également à Jérémy qui a été là en appui, donc en tant que TA pour tous ces projets. Et ça, c'est plutôt cool. Selim, tu veux dire un petit mot? Selim. Bonjour à tous, rebonjour, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne. D'abord, bravo à tous les élèves. Vous avez tous fait des projets qui touchent à des données plus compliquées que les autres et je vous laisserai le découvrir par la suite. Vous avez tous des statistiques qui sont extraordinaires et vous avez tous mis en ligne vos modèles. Donc en gros, vous avez tout fait ce que vous pouviez faire et vous n'avez pas laissé une seule case non cochée. Donc pour ça, vraiment bravo. Moi, c'est la première fois que du coup j'étais teacher dans ce bootcamp. Et je dois avouer que de toutes mes expériences d'enseignement, j'en ai jamais eu où il y avait autant au global tout de fait. Donc le pipeline, les stats et la mise en production. Maintenant, je vais vous laisser présenter ces petits projets et arrêter de les spoiler, que les autres aient encore quelque chose à découvrir. Bravo Céline. Donc sans plus attendre, nous avons trois projets. Nous avons Rémi qui n'arrête pas de bouger puisque c'est lui qui présente en premier. Donc du coup Rémi, il va nous parler un petit peu de tout ce qui est arnaque sur un site de petites annonces. Et c'est un réel projet. Donc je pense que tu vas en parler un peu mieux que moi. Donc merci d'encourager Rémi. N'hésitez pas également à poser des questions dans le YouTube chat et on répondra du coup. Enfin les élèves répondront en direct. Il y a toujours un petit delta, mais ne vous en faites pas, c'est calculé. Rémi, c'est parti. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont là. Bonjour à ceux qui sont à distance. Donc effectivement, moi, mon projet, il porte sur de la détection d'arnaques pour un site de petites annonces. Voilà. Donc le site s'appelle Coin Afrique. C'est un site qui est essentiellement en Afrique de l'Ouest, hein, qui est utilisé essentiellement en Afrique de l'Ouest. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment je suis arrivé à travailler sur ce site. Donc tout a commencé en fait un dimanche après-midi, un dimanche en famille. J'ai de la famille qui vit en Afrique. On a fait un call, comme on fait souvent. Où on se raconte un petit peu ce qu'on fait en ce moment. Et du coup, moi, j'étais dans le bootcamp, je cherchais un sujet sur lequel travailler. Et il se trouve que mon beau-frère est manager de ce site dont je viens de vous parler, qui s'appelle Coin Afrique. Et du coup, en discutant, on s'est rendu compte que on avait peut-être intérêt à travailler ensemble.
que ça pouvait être vraiment du win-win et que du coup, on avait moyen de faire des choses bien ensemble. Donc, on est parti en discutant des besoins business qui ont été exprimés donc, par Martin, mon beau-frère, que je salue au passage, qui me regarde peut-être. ensuite, tout l'enjeu a consisté d'abord à récupérer les données. Donc pour ça, on m'a donné l'accès au back-office du site et ensuite, ça a été une joyeuse séance de scrapping pour arriver à récupérer l'ensemble des données qui m'intéressaient pour répondre aux besoins qui avaient été évoqués avec lui. S'en est suivi une IDE pour bien comprendre les données, ce qu'il y avait dedans, ce que je pouvais en faire. Et du coup, ça m'a permis ensuite d'identifier des use cases potentiels à la fois faisable et également qui est un vrai enjeu business. Du coup, voilà un petit peu les use cases qu'on a identifiés ensemble. Donc le premier, c'est la prédiction d'arnaque. Donc est-ce qu'une annonce est une arnaque ou n'est pas une arnaque ? Je vais y revenir. Par la suite, le deuxième, c'est prédire donc la catégorie d'une petite annonce sur la base des informations textuelles et tabulaires. Le troisième, ça aurait été de prédire le statut rejeté ou non d'une annonce sur la base des informations textuelles. Et si rejeté, pour quelle raison ? Le quatrième, ça serait de la détection également de rejet, de la prédiction de rejet pour des causes liées aux images. Et le cinquième aurait été de la détection d'incohérence dans l'annonce entre les images et le texte. Et puis, last but not least, on pourrait également envisager de détecter les annonces qui sont similaires pour un même vendeur, parce que certains vendeurs n'hésitent pas à poster plusieurs fois la même annonce ou quasiment la même. Et du coup, voilà, c'est un problème. Et tous ces cas d'usage sont des vrais cas d'usage. Et en fait, aujourd'hui, pour ce site, la modération est essentiellement faite à la main par une équipe de modération. Donc là, l'idée, c'est de les aider dans leur tâche. Voilà. Donc, dans le cadre du sprint du projet, pour ces deux semaines, je me suis intéressé au premier use case, qui est la prédiction d'arnaque. Donc, sur cette slide, on voit un petit peu les quatre premiers steps, on en a déjà parlé. Et ensuite, j'ai fait à la fois le sprint planning pour donc travailler sur le use case dont on vient de parler. Ensuite, j'ai travaillé sur le pré-processing de mes données, où j'ai nettoyé et filtré mes données. J'ai également travaillé sur l'IDE pour identifier vraiment ce qui était intéressant dans l'énorme dataset que j'avais récupéré pour répondre à la problématique en question. Et ensuite, s'en est suivi la phase de modélisation, de test et finalement le déploiement. Donc l'objectif, c'était dans notre cas de figure, en fait, j'avais un dataset qui était labellisé donc par des modérateurs et la classe rejet représentait 1,8% du dataset initial. Donc l'objectif, c'était essentiellement de maximiser ce qu'on appelle le recall, c'est-à-dire les vrais positifs divisés par les vrais positifs plus les faux négatifs dans l'objectif. D'avoir une faible proportion d'arnaque qui ne serait pas, de vraie arnaque qui ne serait pas détectée. Je ne sais pas si je me suis embrouillé ou pas, je vais le refaire. Donc le but, c'était vraiment de faire en sorte qu'on maximise les vraies arnaques, qu'on les capte quasiment toutes. Et voilà.
Comment j'ai fait ça? Au final, j'ai utilisé 80% de mes données pour entraîner le modèle, 10% pour la validation et 10% pour le test. J'ai utilisé divers modèles. En particulier, j'ai testé le Naive Bayes, le SVC et la Logistic Regression. Et finalement, j'ai pu tester donc sur des données de test qui n'avaient jamais été vues par le modèle sur lequel on avait donc entraîné les données. Les résultats sont les suivants. Donc le meilleur modèle que j'ai trouvé, c'est la Logistic Regression. Avec donc un recall à 0,82 et une précision à 0,37 pour la classe CAM, qui est la classe donc arnaque, ce qui signifie que 18% des vraies arnaques, seulement 18% des vraies arnaques ne sont pas détectées. Et chaque fois, pour chaque vrai positif, on va également ramener 1,7 faux positifs. Ce qui est, à mon sens, intéressant, puisque ça permet de filtrer les arnaques et de faciliter le travail de l'équipe de modération. Cette slide pour vous montrer que j'ai également testé que le modèle marchait bien. Et donc là, l'idée, c'était de partir d'une annonce qui avait été identifiée donc comme une arnaque et de voir en supprimant des mots ce qui avait une influence. Et donc là, on le voit très clairement, c'est disponible immédiatement, qu'on voit apparaître également dans les annonces qui sont flaguées comme arnaque, comme étant un pattern qui revient souvent. On peut voir que le modèle fonctionne bien, puisque si on supprime cette information-là, à ce moment-là, le modèle détecte l'annonce comme n'étant pas une arnaque. Donc voilà. Pour aller plus loin, il y a diverses pistes possibles pour améliorer le pipeline. L'idée, ça pourrait être d'appliquer de la lématisation ou de la stématisation, qui sont des techniques pour grouper les mots entre eux quand ils font partie de la même famille, linguistique sémantique, donc avant même de rentrer dans l'entraînement du modèle. Il y a également d'autres pistes qui sont à regarder parce que en fait je suis loin d'avoir exploité toutes les données qui étaient à ma disposition, et en particulier il y a des variables numériques, des variables catégorielles, des variables booléennes sur lesquelles j'ai pu observer qu'il y avait des différences de distribution entre les classes arnaque et les classes non arnaque, et ça vaudrait le coup du coup d'aller plus loin et de tenir compte de ces variables pour améliorer les prédictions du modèle. Et puis, si on veut aller plus loin, on peut également travailler par la suite sur les autres use cases que je vous ai déjà présentés au départ. Pour finir, j'ai une petite démo, si vous le permettez. Alors là... Là, c'est juste donc pour vous montrer qu'effectivement, j'ai été jusqu'au déploiement de l'application, que le modèle est déployé et qu'on peut l'interroger à distance sur Internet. Si ça va bien. Donc effectivement, ça a été déployé sur Heroku, pour ceux qui connaissent. Et sur Heroku, donc j'ai également fait une petite présentation effectivement de la démarche. Également une petite interface permettant de tester si une annonce est une arnaque ou pas.
et également un petit guide utilisateur pour ceux qui souhaitent utiliser l'API. Donc là, par exemple, donc là, c'était juste pour vous montrer l'interface. Ce n'est pas hyper spectaculaire, mais ça permet quand même d'interroger. Donc on est sur Internet, le modèle a été déployé et on peut donc saisir une catégorie d'annonces, un titre, une description textuelle et interroger le modèle pour voir si oui ou non il prédit que c'est une arnaque ou pas. Ben, je pense que c'est tout. Je ne sais pas comment revenir à la présentation initiale. Ça doit être ça. Non, c'est pas là. Voilà. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Richard. Alors pas tout à fait tout de suite, parce qu'on a quand même des petites questions. Bravo. Merci Martin, si tu nous regardes d'ailleurs, pour les données, parce que c'est un vrai projet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton background, d'où tu viens et voilà. Oui, moi je suis en reconversion professionnelle, je suis ingénieur de formation en aéronautique. J'ai travaillé pendant 20 ans. Et je suis très content d'avoir fait ce bootcamp chez Jeddah, c'était magnifique, j'avais les mains dans le cambouis et c'est ce que je voulais. Je suis très content d'avoir pu suivre ce bootcamp avec, en petit comité, hein, parce qu'on était peu d'élèves et c'était vraiment super, les profs étaient super. J'ai vraiment passé un bon moment, même si c'était très intense. Le besoin pour CoinAfrique, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a été créé, mais c'est un site de petites annonces et la modération se fait tout à la main pour l'instant. Et ça grossit, c'est déployé dans de plus en plus de pays d'Afrique de l'Ouest et la modération continue à se faire à la main. Et toutes les annonces qui sont publiées dessus sont revues par, un membre de l'équipe de modération. Et donc, si on compte... Moi, je n'ai pas les chiffres, mais je pourrais les obtenir, je pense. J'ai scrappé 300 000 annonces, c'est ça, et j'en ai scrappé, je crois, moins d'un dixième, me semble-t-il, de ce qu'il y avait disponible sur le site du back-office. Ça a tourné pendant une nuit. Et puis après, je me suis arrêté, je me suis dit que j'avais assez de données pour voir venir, quoi. Oui. Est-ce que du coup vous aviez, comme le travail qui est fait manuellement, est-ce que du coup vous aviez déjà de leur part un dataset de scan, on va dire, là-dessus? Et est-ce que vous aviez du coup des critères sur lesquels eux ils se basaient en fait pour définir ce qui était considéré comme étant scan et non scan, sur lesquels vous êtes basé pour entraîner votre algorithme? Scraper, ça veut dire aller aspirer finalement les données du site. Ça revient à
Bah, c'est ça, aspirer les données. Et du coup, pour l'aspect arnaque ou pas arnaque, en fait, il fallait, y avait certains utilisateurs qui étaient bloqués parce qu'ils avaient été détectés comme étant des arnaqueurs. Et donc, il fallait, j'ai dû aspirer plusieurs tables et faire le lien entre elles pour identifier du coup quelles étaient les annonces de ces arnaqueurs et du coup ensuite les marquer comme étant des annonces d'arnaque. Voilà, c'est comme ça. Après, il y avait d'autres, étiquettes comme les rejets qui étaient immédiatement disponibles dans les annonces. Parce que, en gros, il y a, je crois, un dixième des annonces qui sont rejetées parce qu'elles ne respectent pas les critères du site, et 9/10 qui passent, qui sont validées. Voilà. Mais donc, tout ça, c'était effectivement c'est de l'apprentissage supervisé. Et du coup, les informations sur la labellisation, elles avaient été faites par l'équipe de modération du site. On est bon, je crois. On est bon. Bien joué, Rémi. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, Rémi. C'est fini, ça y est. C'est toi qui as ouvert le bal. Du coup, on va enchaîner directement avec un autre projet. Donc là, c'est, par contre, c'était en trinôme. Mais malheureusement, Gary n'est pas présent. Mais donc, ça sera avec Awatef et Bastien, autant pour moi. Où, en gros, vous allez nous parler un petit peu d'autisme, comment détecter un petit peu des formes d'autisme chez les enfants. Donc ça, c'est plutôt un beau projet. Donc, se caractérise par des problèmes sociaux, de communication et surtout de comportement. Et selon les dernières statistiques, un enfant parmi 44 est atteint d'autisme et les garçons sont 4 fois plus touchés que les filles. En fait, la vraie problématique ici, ce n'est pas ces chiffres-là, mais c'est que généralement, on confond l'autisme avec d'autres troubles comportementaux. Et ce qui entraîne une attitude ou une réaction mal adaptée vis-à-vis de ce trouble-là. Donc, c'est là que la détection précoce joue un rôle très important. Tout d'abord, parce que ça permet d'orienter l'entourage de l'enfant vers une meilleure compréhension et une réaction plus adaptée à ce trouble-là. Et après, ça permet aussi d'une meilleure prise en charge de ses enfants, parce que tout simplement, the sooner the better, c'est-à-dire un enfant qui reçoit une intervention précoce est plus susceptible de démontrer un fonctionnement amélioré par rapport aux enfants qui sont diagnostiqués plus tard. Et ceci aide ses enfants surtout à réintégrer la boucle sociale et surtout d'améliorer leur qualité de vie à long terme et celle de leur famille. Donc, à partir de cette idée-là, on a entamé ce projet pour proposer un outil d'aide à la détection précoce de l'autisme chez ses enfants. Alors, comment faire ça? En fait, les principaux symptômes de l'autisme peuvent être classés sous 3 volets, à savoir le volet visuel, là où l'enfant fait peu ou pas d'expression faciale, avec un contact visuel limité ou inexistant. Et là, il y a aussi le volet linguistique. Là, l'enfant, il fait peu ou pas de mots, peu de phrases significatives, une répétition persistante des phrases qu'on appelle l'écolalie. Et enfin, il y a le volet comportemental. Là, par exemple, il y a les stéréotypies, c'est-à-dire répétition de la même action. Et il y a aussi les réactions intenses par rapport au son, etc. Donc, généralement, les outils proposés adressent un seul volet parmi les 3. Nous, on a voulu aller plus loin et adresser simultanément 2 volets, à savoir le visuel et le linguistique. Merci. Alors, je voulais vous présenter la vidéo, mais je ne sais pas si ça va marcher, du coup. Ça ne marchera pas. Aïe, aïe, aïe. OK.
Bon, bah tant pis, ben, je vais vous la raconter. Donc en gros, on a mis en place une application qui permet de détecter des troubles autistiques à partir d'images et de textes. Donc l'idée, c'est de documenter dans la vidéo des informations sur l'enfant, donc son prénom, son âge, etc. Et ensuite, on va pouvoir uploader dans l'application une image, une photo de l'enfant, ainsi que documenter une phrase typique que peut dire l'enfant à l'oral. Et dans cette phrase, on peut également ajouter des informations comme est-ce qu'il y a des bégaiements, est-ce qu'il y a des hésitations, des choses comme ça. Ça va servir notre modèle pour qu'il détecte s'il détecte des troubles autistiques. Et du coup, une moyenne est faite entre les deux prédictions pour établir un diagnostic sur le potentiel autisme de l'enfant. Désolé pour la démonstration qui n'a pas marché. Hop, je retourne sur le... Il est où? Là, tac. Je ne trouve pas Richard, désolé. Donc voilà, à ce stade, on veut mettre en relief toutes les steps par lesquelles on est passé. Vu que c'est un sujet atypique, on a dû parcourir le jargon pour développer une meilleure compréhension des différentes notions derrière. Après, il y a les images qu'on a récupérées du Kaggle, et il y a les phrases qu'on a scrappées du TalkBank, qui est spécialisé dans la communication verbale. Et après, on a parcouru le schéma typique du machine learning. Voilà. Alors moi, je vais vous donner quelques détails sur le modèle de reconnaissance d'image. Donc le but, c'est de détecter potentiellement un trouble autistique chez les enfants en se basant sur des photos d'enfants entre 3 et 6 ans à peu près. Le dataset qu'on a utilisé, c'est un dataset de 3000 photos qu'on a trouvé sur Kaggle et qui est composé à 50% d'enfants autistes et 50% d'enfants non autistes. Les images n'étaient pas dans des formats standards, donc il y avait des différences de hauteur et tout ça. Il y avait aussi des disparités que je vais détailler. Voilà, donc là, on voit une répartition en fait du ratio, donc le rapport largeur sur hauteur, d'une part pour les enfants autistes en orange et en bleu pour les enfants non autistes. Donc on voit que les ratios sont à peu près distribués de la même façon, même si on a de la disparité au global, et quelques outliers là au-delà de 1.2 à peu près, on va dire. Donc voilà, hop. Et ensuite, surtout, on a fait des annotations de toutes les images à la main, parce qu'on a vu qu'il y avait certaines spécificités, en fait, notamment des images en noir et blanc, des enfants aussi parfois qui étaient un peu plus vieux que la moyenne et que la target qu'on ciblait. Et surtout, une disparité importante, il y avait des photos qui étaient traitées, enfin photoshopées. Et en fait, il y avait beaucoup plus en proportion d'images photoshopées chez les enfants non autistes que chez les autistes. Et du coup, il ne fallait surtout pas que notre modèle apprenne que photoshopé égale non autiste. Donc c'était un critère à regarder. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement ce qu'est un modèle de réseau de neurones convolutifs. Donc l'idée, très, très globalement, c'est qu'on met une image en entrée du modèle. Ensuite, on a des couches de neurones artificiels qui vont venir regarder des petits détails dans l'image. Et ensuite, successivement, des couches derrière qui vont analyser des détails de plus en plus complexes. Donc en fait, au début, on va regarder des petits motifs, des cheveux, des choses comme ça. Et à la fin, on va regarder des visages entiers, en fait. Et la dernière couche, c'est une probabilité qui est entre 0 et 1, qui va nous dire si l'enfant, en gros, est détecté comme potentiellement autiste ou pas. Voilà, donc rapidement, on a testé plusieurs modèles. On a testé d'abord des modèles simples, des modèles basiques qu'on a documentés nous-mêmes. On a aussi testé en faisant du fine-tuning. Donc, le fine-tuning, c'est récupérer un modèle déjà existant qui a déjà été entraîné sur beaucoup, beaucoup d'images. Et on va juste entraîner les dernières couches sur notre dataset à nous de façon à garder en fait ce qui a déjà été fait comme travail et à l'adapter à notre problématique. Finalement, on a décidé de garder un modèle simple parce que les modèles en fine-tuning sont très très lourds et ne performaient pas beaucoup mieux sur notre problématique, en tout cas avec le temps qu'on a eu.
Voilà, donc ce slide-là, je vais aller rapidement. En gros, l'idée, c'est que comme on avait des disparités dans les images, on a voulu tester est-ce que trier sur les disparités, ça générait plus de précision de notre modèle. En gros, est-ce que si on supprime les images en noir et blanc, etc., on avait plus de résultats. Donc on a fait 12 cas en fait, de tri et tout ça. Une fois, on garde tout, une fois, on trie. Et du coup, on a été un petit peu déçus des résultats. Donc ça, en gros, c'est toutes les courbes d'apprentissage et elles sont toutes à peu près pareilles en fait, hein, au niveau des dents de scie et tout. Il n'y a pas de gros écarts. Donc en gros, on n'a pas de pré-traitement qui fonctionne vraiment mieux qu'un autre. Donc c'était un peu la déception. On espérait voir quelque chose de mieux, mais au moins voilà, on sait que ça n'a pas servi à grand chose de faire ce pré-traitement. On pouvait éventuellement utiliser les images, toutes les images. Pour finir, je vais vous montrer juste les courbes d'apprentissage de notre dernier modèle. Donc, on voit en bleu foncé la courbe d'apprentissage sur le modèle sur le dataset sur lequel le modèle s'est entraîné, donc qui s'améliore tout au long de tous les apprentissages qu'on fait, toutes les époques, donc tous les cycles d'apprentissage. Et en bleu clair, l'accuracy, donc la performance sur le modèle sur le dataset de validation. Donc le dataset sur lequel le modèle ne voit pas directement les données, mais teste sa performance. Et on voit qu'en fait, à partir de la 50e époque à peu près, on n'apprend plus vraiment. On apprend encore sur le training, mais on est en train d'overfitter en fait, a priori, alors que sur le validation set, on n'apprend plus du tout. En fait. Voilà. Donc, on va parler maintenant du modèle qui est basé sur les phrases qu'on a scrappées du TalkBank. En fait, il faut mentionner que ces phrases ont été transcrites sous format chat. C'est un type d'encodage défini par le TalkBank. Donc, il fallait parser pour décoder tout sans toucher les informations pertinentes pour la détection, comme la répétition. Le babbling, la at B, la répétition x 3, et en éliminant bien sûr tout ce qui est out of scope. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas pertinent, mais out of scope de ce projet-là, comme le gestuel, ici par exemple il rit ou l'explication, Zork est un personnage de dessin animé, etc. Donc on a enlevé ça, on a gardé les informations pertinentes. Et après, on a passé au pré-processing. Donc, la première étape était de regarder quel est le modèle le plus adapté à ce type de données-là. Il s'avère que le Random Forest donne des meilleurs résultats. Et on peut expliquer ça par le fait que le Random Forest est un modèle qui est le moins sensible au bruit, qui est omniprésent dans notre dataset. N'oublions pas qu'on traite des speeches des enfants. Et là... C'est pas comme chez les adultes. Généralement, on trouve un vocabulaire un peu standardisé. Les enfants ont tendance à utiliser des mots qui n'appartiennent pas à la langue. Donc, c'est pour ça que le Random Forest donne des meilleurs résultats. Et avec le parsing et le pré-processing qui ont été faits très soigneusement, on a pu, avec le Random Forest, avoir de bons résultats. Après on a voulu explorer le problème d'un autre point de vue. C'est-à-dire, au lieu d'entraîner le modèle sur le texte, on a voulu extraire des features, de nouvelles features quantitatives à partir de ce texte-là, comme par exemple les longueurs de speech, le nombre d'annotations, c'est-à-dire nombre de babbling, nombre de répétitions, nombre d'hésitations, etc. Et avec d'autres features. Et voilà, on va commencer tout d'abord par regarder... quelques statistiques tirées de notre dataset. En fait, la première question était quel gender qui est touché par l'autisme. C'est bien évidemment les garçons. Après, on a regardé les speech length, c'est-à-dire la longueur des speech, et les enfants autistes ont tendance à utiliser des phrases qui sont plutôt courtes. Après, on a voulu extraire d'autres features, c'est-à-dire construire d'autres speech, par retirer tout ce qui est meaningful words, c'est-à-dire... les mots qui n'appartiennent pas à la langue. Et après, on a encore nettoyé pour regarder que les verbes, les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes, c'est-à-dire pour regarder est-ce que les enfants autistes ont tendance à utiliser des phrases moins structurées que les enfants autistes.
Et après, la dernière étape, c'était de calculer, de faire, c'est-à-dire extraire les features numériques, comme les longueurs, le nombre des annotations babbling, répétition, etc. Le nombre de différents mots utilisés, c'est-à-dire la richesse du speech. Est-ce qu'il utilise toujours le même mot? Est-ce qu'il utilise des mots différents? La density du speech, c'est-à-dire est-ce que plutôt l'enfant utilise des mots longs, des mots courts? Et on a ajouté aussi l'âge et le gender comme des variables sociodémographiques. Et vous pouvez regarder là, vous pouvez remarquer que les enfants autistes ont tendance à utiliser moins de meaningful words, des speeches moins structurés, des speeches moins riches et des mots plutôt courts. Vous pouvez aussi remarquer que le babbling est très répandu parmi les enfants autistes. Et l'hésitation, ils sont plus hésitants. Mais aussi, c'est quelque chose qui va vous paraître un peu surprising, que le misspelling est plus présent, plus fréquent chez les non-autistes. Parce que le misspelling, on voit que comme si un caractère, quelque chose de négatif, mais on va expliquer ça par le fait que les enfants qui ne présentent pas ce type de trouble, généralement, ils utilisent plus de mots. Et c'est normal qu'ils fassent plus d'erreurs de misspelling sur ces mots-là. Donc voilà. Du même pour la dysfluency. Et ce qui est là très surprising, que la répétition, qui est un symptôme central de l'autisme, elle est présente de à peu près de la même, avec la même proportion dans les deux catégories. On peut expliquer ça par le fait que ce sont des enfants qui parlent, mais peut-être c'est quelque chose qui est lié à notre dataset. Donc peut-être c'est un cas particulier. Voilà. Donc vous pouvez remarquer que là, les features numériques sont plus informatifs que le texte lui-même. Et donc on a à partir de cette analyse, on a entraîné un autre modèle, toujours avec le Random Forest, en se basant sur ces features numériques. Et voilà c'est-à-dire l'ordre d'importance des différentes features par rapport à la détection. On trouve tout d'abord le gender, et après il y a les longueurs des speech, et après il y a les différents types d'annotations. Donc voilà, il faut dire que vraiment c'est un dataset qui a été très difficile, parce que ce sont des enfants qui parlent et généralement... On a fait un travail sur la partie pré-processing et la partie parsing. Et avec le Random Forest, on a pu faire un outil qui arrive à prédire, c'est-à-dire à détecter 76 enfants autistes parmi une population de 100 avec une précision de 80%. Je trouve ça encourageant comme une première tentative. Voilà. Merci. Donc je vais conclure là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour améliorer les choses? Donc déjà, améliorer la précision des modèles. Donc je pense qu'il nous faudrait augmenter la data, en fait, le nombre de photos pour le modèle basé sur les images. On pourrait également faire du deep learning sur la partie texte. Et enfin, on pourrait également faire une combinaison des deux modèles. Aujourd'hui, on fait juste une moyenne des prédictions de chacun des modèles. On pourrait faire quelque chose de plus complexe qui permettrait de détecter, en fait, si dans les données qu'on donne, est-ce que c'est l'image qui est prépondérante, qui est plus intéressante à exploiter que le texte ou l'inverse. Et du coup, adapter les poids plutôt que de faire une moyenne bête et méchante. Ensuite, on pourrait également adapter le modèle à des vidéos, pour que ce soit plus simple à utiliser pour l'utilisateur et qu'en plus de ça, on ait plus de données en fait que juste une photo et un texte, on ait un discours entier et plusieurs frames. Et voilà, et enfin, donc, partager notre travail avec des associations pour les encourager à plus partager de data, parce que comme on l'a vu, c'est ça qui manque aujourd'hui. Voilà. Bravo. Une petite mention à Gary, du coup, qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui a contribué également, tout comme nous, à ce projet-là. Merci, Gary. Est-ce que vous pouvez parler de vous un petit peu avant? Ouais, ça, tu veux commencer ou... Okay. Donc, moi, je suis ingénieur de formation à la base. J'ai travaillé 7 ans dans le secteur automobile. Et j'ai voulu en fait m'intéresser, j'étais intéressé par la data depuis quelques années déjà.
Et voilà, j'ai eu l'opportunité du coup de suivre cette formation que j'ai beaucoup appréciée, même si, bah, comme l'a dit Rémi, je partage ce que tu as dit, Rémi. Très intense et très intéressante et très intense, quoi. Très condensée, mais moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans cette formation. Voilà. Voilà, je suis docteur en informatique, intelligence artificielle. J'ai dû mettre en pause ma carrière pendant 2 ans. Et là, vous savez qu'en informatique, on doit être toujours à jour. Donc, il fallait que voilà, je suis une formation. Surtout là, la machine learning, ça devient de plus en plus très important, surtout dont elle touche tous les domaines. Donc, dans la robotique, c'est-à-dire maintenant, on ne peut pas être spécialisé dans une discipline sans toucher la machine learning. Et je me suis renseignée et j'ai trouvé que la formation offerte par JEDA est un peu intense. Oui, c'est vrai, c'est un bootcamp, enfin, mais elle touche c'est-à-dire les sujets. Et comme ça, on peut partir à autre chose après. Et voilà. Une autre chose, c'est si vous voulez, je suis désolée pour mon niveau de français parce que j'ai commencé à apprendre le français il y a 12 ans et il y a toujours ce problème de traduction entre, je pense en anglais, je traduis en français et généralement ça fait des catastrophes, voilà, voilà, merci beaucoup. Bravo. Alors, on a une question de Lai. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolé si j'écorche ton prénom, autant pour moi. Est-ce que vous savez si ce genre d'intelligence artificielle est déjà utilisé professionnellement pour aider à la détection? Et deuxième partie de la question, est-ce qu'il y a des freins éthiques liés à la méthode? D'accord. Donc, en fait, oui, c'est un sujet d'actualité. C'est le seul problème-là, c'est la disponibilité des données, parce que voilà, c'est le côté de privacy des données. C'est pour ça, même quand on a fait la démo, on a essayé de ne pas exposer les images des enfants. Donc, en fait, le premier objectif de notre travail, là, et je pense que l'objectif primordial de toute recherche, c'est d'encourager les associations, surtout, qui travaillent avec ces enfants-là, de partager les données, parce que c'est très important si on peut mettre en place un outil qui peut détecter à un âge très précoce l'autisme, parce que ça va aider ces enfants à, premièrement, à recevoir le plus tôt possible c'est-à-dire la thérapie adaptée à leur trouble. Et puis, je pense que c'est très important de mettre ces informations, c'est-à-dire disponibles, mais toujours dans le domaine, c'est-à-dire de recherche. Et voilà. Côté éthique, oui, bien sûr, c'est évidemment, mais... C'est-à-dire éthique, parce que peut-être que... Oui, et c'est-à-dire, est-ce que c'est on parle de la disponibilité, c'est-à-dire de l'exposé de l'information ou... Ouais. C'est l'approche... Oui, oui, bien sûr, on ne va pas exposer. Non, on a utilisé ces images-là pour entraîner notre modèle. Donc, même si on va récupérer les données après dans l'application, on va demander... moi, par exemple, si je vais continuer sur ce projet-là, je pense que je vais demander à l'utilisateur, à the end user, est-ce que tu veux qu'on garde pour des objectifs de recherche l'image de votre enfant, le speech de votre enfant ou non? Donc, certainement, il y a toujours ce... Voilà. Est-ce que vous voyez des biais possibles, justement, dans l'utilisation de machine learning pour la détection, peut-être? Oui, complètement, complètement. Il faut faire très, très attention à ce qu'on fait. En plus de ça, le problème notamment de l'analyse d'image, c'est qu'on va difficilement avoir des informations sur exactement quelles sont la façon dont le modèle fonctionne pour déterminer si l'enfant est autiste ou pas. Donc ça c'est évidemment... Il y a des outils, je sais, qui existent pour permettre de voir des choses, mais c'est toujours un peu une boîte noire, hein, les réseaux de neurones et tout ça. Donc il faut faire très attention. En fait, à mon avis, sur ce type d'approche, il faut être vraiment... très clair sur ce qu'on est capable de faire et sur le fait que c'est un pré-diagnostic, en fait. C'est quelque chose qui peut permettre d'orienter éventuellement, mais de pas du tout remplacer un diagnostic médical, quoi. Là on est en mode démo et tout, schéma, mais voilà, pour l'instant c'est pas à niveau du tout, quoi. Alors, j'insiste sur le fait que au début on a dit que on propose un outil d'aide à la détection précoce
détection précoce. C'est-à-dire, on ne va pas remplacer la vie médicale, on encourage les gens à aller regarder, c'est-à-dire aller faire un diagnostic médical pour que leur enfant ne rate pas sa chance d'avoir le traitement qu'il faut, le temps qu'il faut. J'espère que j'ai bien exprimé. Bravo, si vous avez des questions. Une question rapide. Dans les futures, vous avez indiqué l'âge étant la deuxième future où où c'était le plus représenté. Et notamment dans l'introduction, vous avez mentionné que l'âge, plus l'âge avance, plus il y a un vocabulaire enrichi pour l'enfant. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que du coup, vous avez pondéré, vous avez parlé de pondération différente, par exemple, cette future étant âge, en disant que à partir de cet âge-là, il faut revoir un peu le modèle algorithmique, l'adapter, puisque du coup, il y a un vocabulaire qui est beaucoup plus enrichi. Est-ce que du coup, vous avez pu faire ce clustering finalement, suivant l'âge, et après définir en fait les stratégies derrière algorithmiques concernant l'enrichissement du vocabulaire, etc. Tout à fait d'accord avec vous. Et c'est une bonne idée, c'est-à-dire en regardant l'âge, on modifie la stratégie. Mais nous, on a commencé par prendre les enfants entre 3 et 6 ans. On n'a pas pris les enfants moins de 3 ans parce que là, il faut mentionner, là, avant 3 ans, le babbling, c'est quelque chose qui est bon. C'est-à-dire un enfant qui ne bégaye pas avant 3 ans, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors qu'après 3 ans, le babbling devient quelque chose qui est négatif. Et pourquoi on a appris avant, c'est-à-dire jusqu'aux 6 ans, parce que après 6 ans, les problèmes linguistiques, généralement, ils sont facilement repérables chez les enfants. Donc après 6 ans, c'est facile de dire c'est un enfant qui a des problèmes linguistiques, qui peut être un enfant autiste. Donc on a essayé de regarder pour le moment entre 3 et 6 ans. Et après, on peut, c'est-à-dire les recherches là, côté psychologie, et ils disent qu'on peut détecter l'autisme même avant 3 ans. Donc c'est très important, si par exemple on veut continuer sur ce projet-là, on peut regarder même avant 3 ans. C'est très intéressant parce que nous, notre objectif, c'est de détecter d'une façon précoce. C'est-à-dire après 6 ans, c'est pas trop tard, mais nous, on veut aider les enfants, surtout à un âge très, très jeune, pour avoir le traitement qu'il faut prendre. Top. Alors, il y avait juste une toute dernière question de Baptiste. Pardon. Il y avait juste une toute dernière question de Baptiste qui demandait justement, on est un peu dans le biais, etc. Donc c'est cool, ça fait une belle transition. Est-ce que votre algo permet de réduire en gros le biais de diagnostic des docteurs concernant les filles? Parce que c'était sous échantillonné. Du coup, c'est... Voilà. Alors sur les... Ouais, je sais pas, sur les images. C'est sur les images du coup la question ou... C'est surtout. Ok, bon, je vais répondre sur les images. Alors moi, j'ai pas annoté sur les images le genre, en fait. Donc c'est une très bonne question. là j'ai pas la réponse. De base, le dataset image, je pense qu'on n'avait pas assez de données ou pas de visage assez centré et tout ça. Donc c'était compliqué, je pense, de faire un bon apprentissage là-dessus. Mais avec beaucoup de données, on doit pouvoir parvenir à éliminer ce biais-là, oui, clairement. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur le texte. En fait, je vais donner une réponse un peu ouverte, parce que nous, on a commencé le projet il y a 2 semaines. C'est un projet très complexe. On n'a pas fait le projet comme ça, voilà, on a un projet, on a trouvé. Non, on a fait très soigneusement la partie pré-processing. On a essayé de bien comprendre qu'est-ce qui est derrière ce sujet-là. Et donc, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec ce dataset, c'est-à-dire ces données, ce projet, ce sujet. Et voilà, donc certainement, il y aura plein de choses à faire avec. Donc, c'est un sujet sensible. On ne peut pas dire qu'un enfant qui est autiste, qui n'est pas autiste, il faut vérifier, il faut être solide dans la prédiction. C'est-à-dire, on doit donner une prédiction solide pour ne pas... C'est-à-dire surtout avec les enfants, c'est-à-dire la classe autiste. Là. Voilà. Bravo à tous les trois, c'est bon, vous êtes libérés du coup. Tous les trois, M. Yagari, hein, je le cite également.
Et ben ça fait une belle transition du coup avec le prochain projet, parce qu'on est aussi dans la santé. Donc justement, c'est comme disait Abou Atef, c'est une aide à la décision. C'est pas une décision. On va pas laisser des machines décider pour la vie de réelles personnes. Et donc du coup, le prochain projet, donc c'est encore un trinôme avec Myriam, Amir et Rabat, qui vont nous parler un petit peu de la détection des pneumonies. Donc on est un peu dans le même sujet, donc la santé. Et du coup, ils vont nous sortir un modèle. Who's first? Oui. Les dames. Allez, on nous reprend. Bonsoir tout le monde, bonsoir ceux qui sont en ligne. Avec la compagnie de mes deux collègues, Noël Rabat et Amir Rebaille, on va vous présenter notre projet qui est la détection de la pneumonie à travers des images radiothoraciques. Donc, on a utilisé un modèle de deep learning CNN. Donc, tout d'abord, on va définir c'est quoi la pneumonie. La pneumonie, c'est une infection respiratoire aiguë qui touche les alvéoles pulmonaires, spécialement, ou les voies aériennes inférieures. C'est une maladie dont le tableau clinique est hyper complexe. C'est une maladie aussi qui est courante, grave, mais sa gravité, elle reste toujours minimisée, malheureusement, car on peut constater qu'il y a un décès chaque 40 secondes chez les enfants de moins de 5 ans. Et en France, elle peut toucher un demi-million de personnes. Et elle peut causer jusqu'à 16 000 décès par an, c'est-à-dire soit un peu plus de 4 fois que le nombre des accidents de route. Pour détecter cette maladie, les médecins ils font recours à trois types d'examens. On a l'examen clinique ou l'examen analytique, c'est l'examen de sérologique, c'est-à-dire du sang ou des crachats alvéolaires. Et le dernier type d'examen, c'est l'examen radiographique des images thoraciques, qui est notre sujet d'étude. Car les médecins, ils arrivent à obtenir des résultats presque à 100% à travers les deux examens, mais moins bonnes par rapport aux images radiothoraciques. Et c'est pour cela qu'on a essayé de réaliser un réseau de neurones artificiels, c'est-à-dire on a utilisé un modèle de deep learning qu'on a délégué la responsabilité à un algorithme qu'on va préalablement entraîner avec des images, et lui il va faire l'analyse avec précision, il va nous donner des prédictions, est-ce que le patient il a la pneumonie ou non. Merci. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet avant de vous montrer sur quoi ça aboutit, ce projet. Donc, pour vous présenter notre modèle, notre méthodologie qu'on a suivie est plus ou moins classique qu'on suive dans ce cas d'analyse d'algorithme de deep learning. Donc, on a d'abord notre dataset qu'on a obtenu sur la plateforme Kraggle. Il contient à peu près 5800 images réparties entre 27% qui représentent des radios de patients atteints de pneumonie et 73% normales. Ensuite, on est parti vers la partie pré-processing, notamment en splittant ce dataset entre un train set qui permet justement d'entraîner le modèle et un test set qui permet justement de... À chaque fois qu'il s'entraîne le modèle, de voir s'il apprend bien et valider ou pas. Ensuite, on a commencé à faire tourner notre modèle, donc à entraîner notre modèle, à choisir les paramètres, les optimisateurs, et c'est à chaque fois. Il faut savoir qu'on dès le premier coup, on ne peut pas avoir directement un modèle avec les meilleures performances, donc on essaie à chaque fois d'ajuster et de voir les performances de notre modèle. Et puis, on arrive à l'étape d'évaluation en se basant sur l'accuracy, donc la précision de notre prédiction et le F1 score. On va revenir là-dessus. Après ça, il y a l'étape de déploiement. Donc, on a déployé notre modèle grâce à l'appli Flask en local et on a utilisé une API et puis on a développé une interface et finalement, c'est ce qui nous permet de prédire.
Donc, c'est quoi le modèle qu'on a utilisé? Il s'appelle le CNL, le Convolutional Neural Network. L'architecture du modèle, elle ressemble à ceci. Donc, la data en input, c'est les radios du thorax, de profil notamment, qui vont rentrer, qui vont passer par plusieurs couches, les couches d'entrée, les input layers, ensuite les couches convolutionnelles, les hidden layers, les couches cachées, et puis finir par la dernière couche d'output layer. Il faut savoir que dans chaque couche, il y a plusieurs neurones, des centaines de milliers de neurones, pour nous restituer à la fin un résultat plus facile à comprendre, 1 ou 0 pneus. Est-ce que ça représente une pneumonie ou pas? Donc, est-ce que c'est un cas normal ou pas? Les caractéristiques qui nous ont permis de performer et d'améliorer la performance de notre modèle sont les suivantes, dont la data augmentation. En gros, comme son nom l'indique, c'est on essaye d'augmenter la donnée qu'on a. Si on n'a pas, si on peut pas avoir plus d'autres données réelles, on essaye d'augmenter artificiellement en changeant quelques caractéristiques sur les images, par exemple la luminosité, par exemple s'il y a une autre image, par exemple une voiture sur une image, on peut changer les angles, on peut changer plusieurs choses pour créer de genre de nouvelles données. On a utilisé l'optimisateur AMSGrad. On a aussi ajusté au fur et à mesure la complexité du modèle. Au début, on a commencé avec un modèle plutôt simple. On est monté en complexité, mais la complexité, ça ne veut pas dire de meilleurs résultats. Donc, parfois, il faut réduire la complexité pour avoir un meilleur modèle. Et puis, on a utilisé plus d'époques. Donc, à chaque fois, on a laissé tourner le modèle un peu plus longtemps. Et puis, on a sauvegardé les meilleures performances. Après avoir essayé plusieurs modèles, nous avons sauvegardé le modèle le plus performant, comme on le voit sur la page. Notre modèle a montré une précision de 96% sur l'ensemble de l'entraînement, une perte de 6%. Il a encore identifié avec succès 94 cas de pneumonie. Ensuite, nous avons examiné notre modèle avait échoué. Donc, notre modèle a échoué sur 35 cas de pneumonie et 5 cas normaux, ce qui représente 6% de perte. On va vous présenter notre application qui va permettre de faire un diagnostic et savoir par la suite si le patient est atteint d'une pneumonie ou bien non. Notre application va permettre d'aller choisir une image depuis notre appareil. Oui. Je vais mettre sur le drive en plus si ça ne marche pas ici. Tu peux mettre sur le drive. Non, plus ici. Sur la. Oui, c'est ça. Exactement. Tu vas tester. C'est pas dans ton dossier? Donc, notre application va aller choisir une radio thoracique depuis notre appareil. Là, on va choisir un cas normal. Ensuite, on va valider l'image. À la droite de notre page, il va nous donner le résultat. Donc ici, le taux de probabilité est très bas. Cela veut dire que la pneumonie n'est pas déclarée. On va choisir une autre image de cas normal. Donc pareil, le taux de probabilité est très bas. Cela signifie que la pneumonie n'est pas déclarée. On va aller choisir une autre radio thoracique de cas pneumonie. Et nous voyons très bien que la probabilité est très élevée, 99%. Cela signifie que le patient est atteint de pneumonie. On va choisir une autre image, arbitrairement.
le taux de probabilité est très élevé, 99%. Cela signifie que le patient est atteint de pneumonie. Pour finir, pour notre conclusion, comme tout modèle, il représente quelques limites et puis ce qu'il représente en même temps, quelques axes d'amélioration. Donc les principales limites, nous pensons que ce sont les données qui sont un peu limitées, et, c'est-à-dire la quantité de données. Si on peut augmenter ça, on pense qu'on peut avoir de meilleures performances pour le modèle. Le dataset qui est un peu déséquilibré, ce qui est un peu normal aussi, puisque les cas de pneumonie sont nettement moins inférieurs que les cas normaux, et tant mieux. Et puis, nos ressources limitées, là où qui nous permettent d'entraîner notre modèle et qui prennent beaucoup plus de temps. Donc, pour améliorer, on peut travailler sur ces pistes. On peut aussi utiliser et comparer avec d'autres variantes du même modèle de CNN, ce qu'on appelle le RCNN et le FastRCNN. On peut utiliser aussi des ressources plus robustes, exploiter aussi la technique de transfert de connaissances. En gros, c'est se baser sur des modèles qui ont déjà prouvé leur efficacité, que ce soit dans le même domaine ou dans un autre domaine, mais similaire. Et on essaye, à partir de là, de développer un autre modèle encore plus performant et puis réduire un peu le surapprentissage du modèle. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et on finit avec cette citation de Steve Jobs. Écoutez votre voix intérieure pour atteindre vos objectifs. Oui, donc pour ma part, je suis Rabat Noël et je suis chef de projet en système d'information. Et dans une autre vie auparavant, j'ai commencé en finance, en analyse financière. Moi, c'est Amir. J'étais étudiant à l'Université de Lyon en génie industriel. J'ai décidé de découvrir d'autres technologies, donc d'intégrer le monde de la data en passant par JEDA. C'est une formation très riche et intense. Merci. Sabré Myriam, je suis médecin vétérinaire. Je voulais faire jumeler cette formation de data science qui va peut-être m'aider dans mon domaine de recherche scientifique. Et grâce à JEDA, la formation a été très, très enrichissante pour moi parce que de base, j'avais aucune notion d'informatique, tout ça. Je me suis crapaudée et franchement, c'est le top. En vous remerciant. Je vais la laisser elle répondre parce que c'est elle la plus. Oui, c'était le plus simple. On voulait faire un modèle au début, c'était pour le Covid, c'est-à-dire pour détection de la Covid. Mais les datas qu'on a trouvées réellement, elles étaient un peu compliquées, tout ça. Donc on s'est dévié pour. Bon, c'était beaucoup plus sur un sujet médical. Voilà. Pas plus. Voilà, c'est pas. Et du coup, votre modèle, excusez-moi. Oui. En fait, ce que j'ai dit enfin en conclusion, ce n'est pas forcément lié aux performances. Je pense qu'on est plus ou moins satisfait des performances qui sont élevées. Par contre, par rapport à la problématique elle-même, je rajoute aussi que c'est un peu le contexte. Donc, on a hésité avec plusieurs problématiques. Chacun aussi a des affinités avec son background originel. Moi, j'ai pensé à la finance, elle a pensé plus à côté médical et finalement, on a fini par faire ce projet. Ensuite, oui, comme on l'a dit, le dataset, il y a des données, mais plus on a, et mieux c'est. Et on ne pouvait pas avoir plus que ça. Parlons de la COVID-19, du coup, puisque c'est
va détecter le cas Covid-19, est-ce qu'il va le considérer comme une pneumonie ou est-ce qu'il va le considérer comme un cas, on va dire, autre. En fait, là, c'est vrai qu'on voit ces traitements du normal ou pneumonie. Et je pense que la difficulté des pneumologues, c'est dans les cas où, en fait, on ne sait pas trop, où on est vraiment dans « je ne sais pas ». Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce que vous avez un dataset où on est dans ce cas de « je ne sais pas trop » et comment l'algorithme est capable de performer par rapport à un pneumologue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'avoir des cas en fait un peu plus complexes, parce que là, on voit bien, c'est à l'image, qu'on voit très bien les cas de pneumonie. Donc, deux questions, c'est est-ce que vous pouvez avoir, je pense que ça, c'est en collaboration avec des pneumologues qui seraient volontaires de passer quelques images, d'avoir des cas de Covid, voir comment votre algorithme performe sur les cas Covid, même les cas complexes, c'est-à-dire ceux qui sont avec des cicatrices, mais on n'a pas vraiment un cas concret de Covid. Et le deuxième cas, c'est d'avoir en fait d'autres types. Là, je pense que c'est assez homogène en termes d'imagerie. Mais c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de tout aussi. Exact, tout à fait. Exactement, je pense que la différence entre une simple pneumonie et le cas des Covid, c'est l'impact, c'est-à-dire l'infection, c'est le deep de l'infection. C'est, voilà, par exemple, si avec une pneumonie, peut-être elle peut toucher, disons, une atteinte de 30%, un peu moins des lobes. Par contre, le Covid, il peut aller jusqu'à 75%, ça dépend des cas, donc c'est ça. Donc il faut entraîner d'autres choses, c'est-à-dire prédire d'autres choses, entraîner d'autres images, voilà, pour avoir des meilleures prédictions, quoi. Voilà. Et vous aviez une... Pardon, sorry. Et il y avait une petite question que j'ai vue de Franck, pardon, voilà, je l'ai. Du coup, quels sont les critères qui vous ont permis de choisir ce modèle? Je pense que c'est Rabat qui va répondre. Les critères qui nous ont permis d'arriver au modèle final, c'est ça? Oui. Donc, si on doit revenir sur les... Oui, on a tourné plusieurs... On a essayé plusieurs modèles et d'améliorer le modèle à chaque fois. Les principales étapes qui nous ont permis d'améliorer la performance et d'arriver à ce modèle final, et avec cette accuracy plus ou moins plutôt satisfaisante, c'est d'abord augmenter artificiellement les données. Augmenter artificiellement les données, c'est prendre quelques images, les images, et essayer de changer quelques caractéristiques, quelques features qui sont dans les images. Là je dois aller vers des trucs un peu plus techniques, mais utiliser un optimisateur qui s'appelle AMS Grad, qui marche bien avec la fonction d'activation qu'on a utilisée, qui est Adam. Et ce qu'il permet en gros, c'est il aide le modèle à adapter sa façon d'apprendre à chaque étape, plus le temps passe et plus le modèle devient plus complexe ou moins complexe, et il aide le modèle à s'adapter à comment apprendre. Et puis on a ajusté la complexité du modèle. On a commencé par un modèle simple, on est monté en complexité et vice versa. Parfois la complexité, ça ne nous a pas donné de très bonnes performances, donc on a essayé de diminuer. Et on a laissé aussi les plus d'époque, c'est-à-dire on a laissé notre modèle s'entraîner un peu plus longtemps qu'au début. Vous êtes libre. Alors, nous avons terminé. Du coup, il y avait trois présentations sur cette promo. Bravo, bravo à tous. Merci encore au corps enseignant. Céline qui est là. Et Jérémy aussi. Du coup, pour clôturer un petit peu ce live, merci déjà dans un premier temps à l'audience d'avoir été présent. Je crois qu'on est monté dans les alentours de 40 personnes au maximum. Donc merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas, si vous avez même encore des questions, à les mettre dedans. Nous, après, on les relais. Ça sera Louana, d'ailleurs, qui est en régie là-bas au fond. Vous ne voyez pas, vous, mais en tout cas, il y a Louana. Donc si jamais il y a des questions qui arrivent, vous en faites pas, ça sera retransmis aux élèves. Donc profitez-en. Ensuite, deuxième point assez important pour recontextualiser la chose, et c'est ce que Awatef l'a dit tout à l'heure, pardon.
il n'y a que 10 jours pour préparer ces projets-là. Ce n'est pas beaucoup pour un projet data, surtout qu'avant, en fait, il s'est passé aussi 50 jours de formation intense. Voilà. Donc, du coup, forcément, il y a le facteur fatigue qui arrive aussi et accessoirement stress. Mais ça, on ne va pas le dire. Mais voilà, donc c'est toujours les résultats et tous ces projets-là, il y aura forcément des axes d'amélioration parce que sur 10 jours, c'est, le travail est colossal. Donc du coup, bravo à vous pour ces projets. Également pour l'audience, donc là c'est un peu plus général, si vous êtes intéressé par les formations, vous en faites pas, ne vous en faites pas, ça c'est clair, parce que ça on est là. Vous pouvez contacter directement les admissions avec le lien qui va être normalement dans le, je sais pas où on me voit, peut-être là ou là, je sais pas où il est le chat, ça dépend comment vous avez la fenêtre, mais vous avez un lien, donc n'hésitez pas à aller voir dessus pour justement avoir plus d'informations. Voir comment les élèves, quel parcours est-ce qu'ils ont suivi, comment est-ce qu'ils sont arrivés jusque-là, enfin voilà, toutes ces choses-là. Dernier point également, pour les prochains événements, parce que c'est aussi important, nous après on va décompresser, enfin les élèves vont bien décompresser je pense, ça y est, parce qu'ils sont enfin libres. Les prochains événements, donc il y a un autre démo day du coup le 14 mars, donc ça sera sur des part-time, donc c'est des gens qui ont suivi la formation, la même, mais sur 6 mois, parce que c'était en format... partiel. Et ensuite, nous avons un petit workshop de DataVis donc sur Power BI. Donc, ça sera dans le campus lyonnais, parce que du coup, on est dans les deux campus. On est dans les deux villes, pardon. Donc, ça sera le 16 mars. Et également, il y a une FAQ Alumni JEDA le 23 mars à Paris. Donc, n'hésitez pas à participer à celle-ci si vous avez des questions, en plus d'avoir pris rendez-vous sur JEDA.co. Bravo encore une fois, je vous applaudis une dernière fois. Je sais pas si je fais comme les... Bravo à vous, merci encore à l'audience et puis on se dit à très bientôt, j'espère. Enfin nous, oui, mais l'audience, à très bientôt.